Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Namazu. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre let's play d'Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. Du coup c'est parti, on va y aller, hein. Pas le temps, faut y aller. Du coup je vais m'occuper tout de suite des animaux en ellipse comme d'habitude. Et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Et tout le monde, non, re tout le monde, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. non, je pense pas, mais du coup c'est parti, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, qu'est-ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent? On avait quand même réussi à clean la mine du Mont Gelato, ce qui n'était pas une mince affaire. On s'en est plutôt bien sorti d'ailleurs, ce qui est étonnant. Mais du coup, voilà, c'était plutôt cool. On avait réussi ça. Et aujourd'hui, notre objectif, ça va être tout simplement de changer de saison, puisqu'on change de saison le 28 dans ce jeu. Or, on est le 27. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler à mi-temps, histoire de se faire un petit peu d'argent. Non. Non. À mi-temps, on gagne quasiment rien. Mais de passer le temps, voilà. C'est ça que je voulais dire. Beaucoup de fois le mot temps quand même dans cette phrase. Sachant que le 28 c'est le jour de la fête des animaux, donc on va aller à la fête des animaux dans cet épisode, et changer de saison aussi, ce qui est le plus important. Donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, on va regarder voir si on peut pas s'acheter un petit truc. Non, il y a des livres, bon, on pourrait histoire lire tout ça, mais enfin les acheter. Mais un peu la flemme. L'art d'être parent, ça peut être assez sympa. Une télévision aussi, on avait dit, mais moi je veux la plus jolie. Coûte un peu cher. Hein. On va essayer d'améliorer notre maison avant d'acheter tout ça. Voilà. On va travailler à mi-temps. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Ok, au travail. Bah, c'est parti. Ah là là, gonflé à bloc, comme jamais. Hop. Ok. Voilà, bon, ils sont contents, on les aide au magasin. Bon, je sais pas trop comment on peut les aider, parce qu'ils sont quand même deux pour un tout petit magasin et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'un coup de main, c'est juste par gentillesse qu'ils nous acceptent. Hop. Merci pour ton dur labeur. Bon, c'était pas très compliqué de regarder les étals. Bon. Ok. Voilà, c'est parti. Du coup, moi, j'ai tourné l'épisode juste avant de la mine, que vous avez dû voir il y a déjà un petit bout de temps. Du coup, voilà, j'ai la voix un petit peu pétée, hein, totalement pétée même, parce que j'ai mangé plein de M&M's entre-temps. Du coup, j'ai hyper soif, mais j'ai oublié de boire, et j'ai oublié mon petit jus d'orange. Voilà, bon, je fais ça un peu à la one again, hein. Ok, bon, vous avez l'habitude avec moi. Hop, du coup. Mais voilà, j'en profite, j'avais un petit peu de temps pour tourner aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais essayer de tourner deux vidéos aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà. Ok. Ok, donc Milka n'a pas mangé. Flappy n'a pas mangé, Milka n'a pas mangé. Flappy et Milka, vous me saoulez. Mais vous coûtez, vous ne mangerez pas aujourd'hui. Non, on va quand même le donner à manger au moins à Milka. Parce que c'est quand même la fête des animaux demain. Et si on veut inscrire un animal, autant qu'il soit dans de bonnes conditions. Tiens, et puis chocolat a pondu un œuf. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, mais notre autruche plume, Swiffer, enfin non, c'est qui? Oui, c'est Gloucette, oui. Oui, Namazu, souviens-toi du nom de tes animaux, c'est bien. avait dû être à cette place, du coup elle avait pondu un œuf, mais là on aurait dit que c'était plutôt le cheval. Voilà, je pars dans des délires qui sont inutiles, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu dérangée, mentalement sûrement. Ok, alors je vais arrêter de dire des bêtises. Bon, Flappy, tant pis, hein, si elle mange pas, c'est pas grave. Non mais normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va aller se coucher tranquillement. Puis on va aller participer à la fête des animaux, hein, tout simplement.
Ok, donc on a gagné quand même 1900 gold, hein, ce qui n'est pas négligeable. Let's go! Ok. Panier repas passable. Merci beaucoup, Owen. Tu es un piètre cuisinier, quand même. Non, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Du coup... Bon. On va s'occuper des animaux. Bah tiens, on va le faire ensemble, tiens, pour une fois. Enfin, s'occuper, entre guillemets. Mais maintenant, je m'occupe plus vraiment des animaux. Je ramasse juste ce qui me donne. Parce que ça prend vraiment trop de temps de s'occuper d'eux. Bon, là, je vois que Flappy fait la tronche. C'est normal, elle a pas mangé. Donc, je vais juste lui parler à elle. Pour essayer de lui remonter un peu le moral. Même si ça marche pas à tous les coups. Non, là, ça a pas marché. Donc, elle a pas pondu d'œuf. Donc, c'est pas grave. Bon, tant pis. Les autres qui sont dans les tables, on va tous les sortir. Voilà. Bon, c'est plus rapide maintenant que je m'en occupe plus trop. Puisqu'on a déjà un bon niveau quand même d'amitié avec nos animaux. Donc, bon, on n'est plus vraiment obligé de tout le temps les brosser, leur parler à chacun. Sachant qu'ils sont assez nombreux. Puis avec Milka et Chippy, je crois qu'on doit être au niveau maximum, je crois, des cœurs. Donc bon, ça sert plus vraiment à grand chose de bien s'occuper d'eux. Surtout qu'ils sont nombreux, donc ça prend trop de temps. Donc juste faire ça, ça suffit, c'est pas grave. Pas besoin de faire plus, honnêtement. Ça serait une perte de temps. Hop, hop, et hop. Très bien, donc vous voyez, ça a été assez rapide. Par contre, je vais quand même juste enlever les mauvaises herbes. Pour nettoyer le champ avant de planter les melons. Je pourrais aussi arracher les fraises, mais bon. Non, on va les laisser les fraises, tant pis, c'est pas grave. Et c'est parti, on va partir au festival des animaux qui normalement se trouve au Ranch Bruni, derrière le Ranch Bruni. Donc voilà, on va s'y rendre tranquillement. On va voir s'il y a possibilité de gagner un petit truc, je sais pas, je me souviens plus trop du déroulement de la fête. Donc on va aller voir ça, tout doucement. Hop là. Et du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais plutôt bien en ce moment, tranquillement. Hop. Tac, tac, tac. D'ailleurs, en ce moment, il y a quelques jours, j'ai pu jouer au Sims 4. Et franchement, j'ai adoré le nouveau... Enfin, c'est quel add-on ? C'est l'add-on Vicitadine. J'ai vraiment bien aimé, parce que ça me rappelle un peu les Sims 3, où on pouvait vivre en appartement. Voilà, je voulais vous parler un peu du jeu. Franchement, il est plutôt sympa. Si jamais vous avez l'occasion de vous l'acheter ou un truc comme ça, je vous le conseille. Il est plutôt sympathique, pour l'avoir pu tester une heure ou deux. Après, je sais qu'il y a aussi l'add-on... comment ça s'appelle ? Avec les vampires, et il y a une mage. Oui, une mage, ça s'appelle... comment on peut aussi appeler ça ? Mince, une mise à jour, voilà. oui, je me souviens plus du nom entier. Une mise à jour qui permet d'avoir les bambins. Ça, j'ai pas eu le temps encore de tester. Mais franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Tiens, bah on arrive pile à l'heure pour le festival, c'est cool. Du coup, voilà, je vous recommande les Sims 4. Je trouve qu'ils s'améliorent un peu d'add-on en add-on. Au début, j'aimais pas trop les Sims 4. Je préférais vraiment les Sims 3, les Sims 2, les Sims 1. Mais là, je dois avouer qu'ils ressemblent de plus en plus, entre guillemets, aux Sims 3 au niveau contenu. Il y a vraiment du contenu qui commence à arriver enfin sur le jeu. Et ouais, franchement, j'aime bien. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Bon, bref. On va retourner à Harvest Moon. Ok, donc le festival est lancé. On va regarder ce qu'on peut acheter un petit peu. Voilà, juste histoire de voir. Et d'ailleurs aussi, je voulais vous remercier vraiment, vous tous, qui êtes sur la chaîne, qui êtes peut-être abonnés à la chaîne, puisqu'on a dépassé les 150 abonnés. Oui, depuis quelques temps, déjà. Non, mais on a dépassé les 150 abonnés. Et franchement, merci, merci, merci énormément. C'est juste énorme pour moi, c'est un truc de fou, 150 abonnés, c'est peut-être rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Voilà. On peut acheter des petits plats sympathiques, confiture, yaourt, je crois qu'on en avait fait une fois du yaourt.
Gratin de champignons. Ah, ça donne des idées de recettes. Omelette au fromage. Ok, bah intéressant de savoir tout ça. Faudra qu'on se remette à la cuisine aussi un jour. Ça peut être sympa. Et tiens, alors Claude, hé, il y a un concours, tu y participes, n'est-ce pas? Donc oui, on va participer au concours. Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin du festival, vers 17h, ne pars pas avant ça. Vers 17h, assez long quand même. On peut pas faire avancer le temps un peu? Non, on peut pas faire avancer le temps apparemment. Bon. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous dit Hamilton? Il a rien à nous dire? Non. Bah attends, apparemment faut attendre jusqu'à 17h. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va faire le tour un petit peu, voir ce qui se passe. On va aller derrière, là-bas, il y a peut-être des petits trucs à ramasser. Des herbes, d'ailleurs, il nous en faudrait pour améliorer notre sac à dos. Ok, bah sinon, on va se faire une ellipse, hein, écoutez. Pas de problème, on va juste aller voir s'il y a pas des petits trucs à ramasser. Ou pardon, excusez-moi, bah, je fais des sales bruitages avec ma bouche par moment. Un peu bizarre. Ok. Bon. Mais écoutez, je vais vous faire une ellipse. Oh là là, j'ai du mal à parler. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, ok, il y a un petit bug d'écran, c'est pas très grave. On a le visage de... Comment il s'appelle? Mince, je sais plus. En plein écran, je sais pas pourquoi. C'est l'heure d'annoncer les gagnants du concours d'animaux. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un peu peur, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien. Commençons par le gagnant de la troisième place. C'est Insa et sa propriétaire Lina. Cet animal a une tête adorable, il est toujours en train de sourire. D'accord, pourquoi pas? Je savais pas que les animaux souriaient, mais ouais, peut-être. Le deuxième plat, c'est Meumeu et Anna, donc sa propriétaire. Je n'ai jamais vu d'animal plus amical. Ok, donc ça doit être une vache, je pense, vu le nom. Et le gagnant du concours d'animaux de cette année est... Attention. Mystère. C'est l'animal de Namazu, donc je pense que c'est Milka, non? Les propriétaires ont fait du bon travail, il faut beaucoup de temps et de dévouement pour élever de si beaux animaux. C'est vrai qu'on a mis quand même une année à avoir vraiment une bonne relation avec elles. Les prix seront distribués à tous les vainqueurs, venez me voir pour les recevoir. Applaudissons encore une fois très fort tous nos concurrents. Merci! Ainsi se termine le Festival des animaux de cette année. J'espère vous revoir tous l'année prochaine. Bah écoutez. Nous allons commencer à tout ranger, nettoyer, donc nous demandons à chacun de rentrer chez soi. Oh, d'accord. Mais j'aimerais bien récupérer mon prix quand même. Non, mon prix. Mon prix. Je veux mon prix. Non, c'est abusé, je vais avoir mon prix quand même. S'il vous plaît. Oui, il va falloir que j'aille le chercher. Bon, c'est un peu bête, hein. Oh, il y a Owen, tiens. Mon mari, que fait-il ici? Ok. C'est un peu bête qu'il nous fasse sortir de la zone alors qu'il nous demande de venir récupérer nos prix. Hop. Ça se trouve, on va rien avoir en plus. Eh, je ne pensais pas que tu grandirais si vite, je suis soulagée. Hein? Et mon prix? Il est où mon prix? Qui a mon prix? Ah, merci, quand même. J'ai cru que j'allais me faire sucrer mon prix. Voici ton prix. Vous l'avez bien mérité tous les deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que j'ai gagné. 120 unités de fourrage. C'est une grosse quantité de fourrage. Comment? J'ai fait tout ça pour avoir du fourrage. Non! C'est nul, je m'attendais à un truc super, genre super rare et tout. Oh, je suis déçue. Je suis déception. Bon, c'est pas grave, les amis. C'est toujours mieux que... Quoique, je suis pas sûre. Bon, on va tout vendre. Même les herbes, c'est pas grave, tant pis. Ok, bah écoutez.
au moins on aura le mérite d'être le premier. Voilà, on aura. Voilà, bon. On aura montré qu'on en impose. Franchement. Bon. Un peu déçu d'avoir attendu tout ce temps juste pour ça. Ah, mais bon, c'est pas grave. On va rentrer tranquillement à la maison. L'important, c'est de participer. Oui. Évidemment. Hop, du coup, on va rentrer. J'espère que les animaux. Ah, vite, va falloir vite que je les fasse rentrer avant qu'ils ne dorment dans le champ. Ce serait embêtant. Je crois qu'ils commencent à s'endormir à partir de 20 h, donc on va se dépêcher. Bon, bah, s'ils n'ont pas tous mangé, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ok. Du coup, va vite falloir rentrer tout le monde. Tac, 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 tac. Il n'y a même plus de musique à cette heure-ci. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Très bien. Donc on peut aller se coucher maintenant. C'est bon, c'est fait. Hop là. Alors du coup, on va changer de saison. Ça, c'est plutôt cool. On va se coucher, hein, y a pas besoin d'attendre plus longtemps. Et là, attention, nouvelle saison. Incoming, soon, vite. Vite, je veux changer de saison. Ça fait un an qu'on attend ça au moins. Ah, une nouvelle personne est arrivée sur l'île. Allez voir à l'hameçon joyeux. Qui ça peut être? Alors là, j'en ai aucune idée. Et on est en été. Alors celle-ci, je vais vous la mettre en miniature. En énorme. L'été. L'été, c'est l'été. Ouh! Alors, panier. Pardon, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. Graine Thibault. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'acheter par téléphone? Je pense pas que ce soit ouvert à 6 h du matin, mais pourquoi pas. Il va nous dire, je suis en train de dormir. Ah non, c'est bon. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, écoutez, à 6 h du matin, il répond. C'est pas magnifique tout ça. Moi, je veux. C'est quoi que je veux? Je veux? Je veux? J'ai un cheveu sur la langue. C'est quoi que je veux? C'est du melon d'eau. Il n'y a pas de melon d'eau. Il n'y a pas de melon d'eau? Comment est-ce possible? Ok, bon, il n'y a pas de... D'accord, très bien. Bon, il n'y a pas ce que je veux. C'est ballot. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, on va aller à la ferme Charlotte. Ça se trouve, ils en vendent pas. Ça se trouve, il va falloir aller sur l'île du Toucan, peut-être. Je trouve ça étrange qu'ils n'en vendent pas quand même. Parce que Thibaut, il vend un petit peu toutes les graines. Bon, on va aller voir ça. Oh là, ils font tous la tronche. Ça, c'est parce que je pense que je leur parle pas assez, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas le temps. Désolée les poules, j'ai pas le temps. Du coup, on va sortir tous les animaux. On va s'en occuper rapidement. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps maintenant que voilà, je m'en occupe plus vraiment. Donc on va faire ça ensemble. Je vois que tout le champ a été totalement rasé. C'est pas cool. On va juste traire Milka et notre petite biquette. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Honte à moi. Honte sur moi plutôt. Où est-ce qu'elle est? Ah bah il y a même Chippy. Ah c'est Mamelou. Ah oui évidemment Mamelou. Excuse-moi Mamelou. Je suis vraiment désolée. Puis on va attendre Chippy aussi qui a l'air assez contente. Allez, où sont les cisailles? Ici. Tac. Laine parfaite. Bah, c'est plutôt cool. En plus, voilà, ils font de la bonne qualité sans que j'ai trop vraiment à m'occuper d'eux. Donc ça, c'est super. Super, super. Ok, donc on va mettre tout ça à vendre. Et puis, on va aller se balader. Alors, j'espère que les boutiques sont ouvertes aujourd'hui. J'espère que la ferme Charlotte est ouverte. Sinon, on va aller sur l'île du Toucan. Mais je sais plus où est-ce qu'on achète ces graines de malheur. Mais normalement, je pensais qu'on pouvait les acheter à Thibaut. Mais non, faut croire que non. Bon. Écoutez, on va aller à la recherche des graines de melon. Depuis le temps qu'on les attend, celles-ci. En plus, il va falloir attendre que ça pousse. Donc ça va prendre 5-6 jours, je pense. Donc dans
deux épisodes ou trois, on va pouvoir compléter enfin notre dernier arbre. La chance. Enfin, on va pouvoir avancer dans l'histoire. Ah, pardon, je suis allée trop vite. 7h-17h, fermé le samedi. Bon, on est dimanche, donc ça tombe parfaitement. On a de la chance. Ok. Alors, achat. Mais sinon, il y a de la pastèque, mais c'est pas la même chose, hein, je pense pas. Melon d'eau, voilà, j'ai... Ah, ça coûte très cher, hein. Pousse lentement. Ah, on a pas de chance, on va attendre super longtemps avant d'en avoir. On a acheté 3. Pour être sûr de vraiment en avoir un parfait. Je pense qu'on va acheter un peu de maïs aussi. Bon, on va acheter... attendez, ça pousse plusieurs fois. Bon, on va en acheter qu'un. On peut acheter un de pastèque. Et ça aurait été bien d'avoir de la tomate aussi. Un seul. Voilà. Niveau engrais, on va prendre de l'engrais rapide. On va en prendre 3. Et on va prendre de l'engrais bonheur. Voilà, on va en prendre 1. Voilà, donc j'ai pris des choses un petit peu... un petit peu au pif, oui et non, parce que voilà, on va essayer vraiment de... essayer que ça se passe assez bien pour récolter ce melon parfait. C'est vraiment important pour le coup. Mais avant d'aller planter tout ça, je pense qu'on va aller se rendre à l'hameçon joyeux. Parce que j'ai vrai... Pardon, excusez-moi, je suis en train de bouger sur ma chaise, du coup ça fait des bruits un peu chelous. Je vous assure que c'est ma chaise qui grince, et non pas moi qui... Enfin voilà, ne vous faites pas d'idées. Du coup... ouais, on va descendre. Je sais pas du tout qui ça peut être à l'hameçon joyeux qui vient d'arriver. On va aller voir ça, et pas de problème. Sauf si c'est fermé, évidemment. Ça sera plus compliqué. Hop. Mais c'est vrai que je vois pas vraiment qui ça peut être. J'ai pas vraiment d'idée sur le coup, je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout qui c'est. Qui c'est. On va voir ça. En espérant que ce soit ouvert. Alors oui, c'est ouvert. Alors j'ai l'impression que mon son baisse de temps en temps. Moins que ce soit mon micro qui s'éloigne. Ah, c'est Paolo. Mais oui. Ah, je me souvenais pas du tout. C'est le fils, tout simplement, de Ozzy. Où est passé Toby? Comment veux-tu que je le sache? Il doit encore être en train de dormir quelque part. Il ne changera jamais. Bon, je vais aller à sa recherche. Il est trop mignon. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Paolo. J'ai été partout pour me former et puis j'ai fini par revenir pour prendre ma place dans l'affaire familiale. C'est un gosse. Passe nous voir de temps en temps. D'accord. C'est mon fils, mais ses talents de pêcheur laissent à désirer. Bon, eh bien j'espère que vous vous entendrez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Parade des animaux... Paolo, évidemment, il est au phare. Et il nous permettait, je sais plus, de faire un truc. Et il était plutôt sympathique, ce petit bonhomme. Bon, voilà, ça fait toujours plaisir de voir un nouvel arrivant. Bon, c'est vrai qu'il va pas servir à grand chose et qu'on risque pas franchement de le croiser souvent. Mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir que l'île se repeuple au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Oui, il y avait des coquillages à ramisser. Oui. Oui, Namazu. Apprenez la langue française avec Namazu. il y avait des coquillages à ramasser sur la plage. Mais voilà, je suis passée à côté, je m'en fiche. On n'a pas vraiment besoin de faire ça. On n'est pas dans le besoin de l'argent tout de suite. Donc, on va planter nos graines. Alors d'abord, soyons d'accord. On va supprimer ça. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Ça. Et ça. Puis on va gercler ça aussi. Voilà, ce sont des fraises de la saison précédente. Donc je crois qu'elles peuvent continuer à pousser. Mais franchement, ça nous sert à rien et ça prend de la place pour rien. Donc on va les enlever. Pas de pitié pour les fraises. Alors les graines de melon. Alors surtout, ne pas les gaspiller. Voilà. Très bien. Ensuite. On va sortir la bêche. La binette. Est-ce qu'on peut
Faire plusieurs cases en même temps, oui. On peut. Je m'en souvenais plus. Hop. Nickel, Gisèle. On va continuer encore un peu. Puisqu'on a acheté quand même pas mal de graines. Donc ça, c'est cool. Hop. On va se faire un champ plutôt sympathique. Surtout que nos outils sont plutôt haut niveau. Donc ça va être assez rapide de s'occuper de ce champ au quotidien. Ça devrait pas trop être long. Donc voilà. Tranquille. Tranquille, Emile. Ok, très bien. Alors, on peut encore en faire une rangée. On en fera d'autres, hein, des rangées, si jamais on a d'autres graines à planter. Je pense que c'est sûrement ce qu'on va faire. Mais pour le moment, voilà, on va déjà se concentrer sur celle-ci. Sur le melon d'eau, puisque c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est bon. Non, c'est ça qu'on a besoin pour surtout pour la recette. La dernière recette de malheur. Ok, ensuite, on avait quoi d'autre? On avait du maïs, pas mal. Ça peut être pas mal de mettre un peu de maïs de côté pour les futures recettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les tomates aussi, ça sert beaucoup. Et on finira avec des graines de pastèque, voilà. Bon, pourquoi pas, la pastèque aussi, ça peut être sympa. Du coup, par moment je m'excite un peu sur le micro, désolé. On va arroser tout ça, puisqu'on peut arroser, je sais plus combien de cases, 18 cases en même temps apparemment. Voilà. Je fais le calcul assez rapidement, ok. Par contre, ça prend beaucoup d'eau, donc faut souvent aller récupérer de l'eau, mais c'est pas grave. Donc c'est assez rapide maintenant de s'occuper du champ grâce à nos outils. C'est plutôt cool. En plus, ça prend pas beaucoup d'énergie puisque nos outils sont améliorés maintenant. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Alors on va mettre de l'engrais rapide sur deux de nos melons d'eau. Non, celui-ci. Voilà. Donc il nous en reste encore un paquet qu'on va mettre sur la pastèque. Voilà. Tout simplement parce que voilà, ça peut être sympa. Parce que je sais pas en quoi en faire en tout cas. Et l'engrais du bonheur, on va en mettre sur un de nos plants de melon d'eau pour être sûr qu'il soit de bonne qualité. Voilà. Donc on a tout planté, ça c'est plutôt cool. Tout le monde apparemment a mangé. Hop. Du coup on va rentrer tout le monde. Et puis on va s'arrêter ici. L'épisode sera peut-être pas très long pour vous. Mais j'ai fait pas mal d'ellipses de mon côté. Donc c'est pour ça que hop, on va s'arrêter maintenant. Puisque j'ai plus de voix. Donc voilà, on va aller se coucher. On va passer la journée, ça c'est cool. Du coup on va essayer de passer assez rapidement jusqu'à ce que nos melons d'eau soient adultes et qu'on puisse les... Enfin adultes entre guillemets. Soient mûrs en tout cas. Et on pourra enfin avancer dans l'histoire, donc bientôt. Donc ça c'est super cool. C'est plutôt bien, on est en bonne voie. Donc on a gagné 1060 gold, c'est pas super, voilà, mais c'est pas grave. Let's go. Eh bien non, on va s'arrêter ici si personne n'a rien à nous dire. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Enfin bref, vous connaissez les bails à ce niveau-là, je pense, depuis le temps. En tout cas, voilà, je voulais vous dire un grand merci. Restez comme vous êtes, c'est super cool. Ça m'apporte du soutien vraiment au quotidien. Merci beaucoup à vous de soutenir la chaîne, de me soutenir moi. J'arrive plus à parler, c'est pas grave. Et du coup, moi, je vais vous dire bah, rendez-vous au prochain épisode. Amusez-vous bien, profitez bien de la vie, c'est tout ce qui compte vraiment. Profitez de vos proches et puis voilà. Allez, bye bye !